Salut à tous, c'est Friki Franky, on se retrouve sur la suite de notre série sur Far Cry Primal. Aujourd'hui on va essayer de construire la maison de Carouche, le guerrier qu'on avait aidé dans l'épisode précédent, tout simplement. Construire sa baraque, voir si on a des nouvelles missions de la quête principale à faire, puisqu'on fera que ça ensemble, comme je vous ai déjà dit. Pour ceux qui m'ont déjà demandé, j'enregistrerai bien les trois combats, enfin les trois missions des créatures légendaires. Et après je ferai une petite vidéo je pense où je vous montre toutes les créatures qu'on peut avoir dans le jeu une fois que je les aurai tous capturées sur cette partie, tout simplement. Donc on va faire ça, on va commencer donc par aller au village. Avec un TP ça sera beaucoup beaucoup mieux. Donc c'est parti, on va aller au village. Un village qui grandit petit à petit hein. Je suis assez modeste mais il faut avouer que sans nous il serait un petit peu dans la merde. Donc on n'a toujours pas pu aider le chasseur dans la caverne puisque je me fais défoncer tout simplement. Je me fais vraiment arracher par le spéodon. Là maintenant j'ai une nouvelle, j'ai mieux qu'un loup pour m'accompagner puisque j'ai un tigre blanc ou un lion blanc, je sais pas comment ils appellent ça. Ils appellent ça le lion des cavernes. Donc j'ai un lion des cavernes. Donc ce qui est bien c'est qu'il est plus fort que le loup tout simplement. Il a pas les mêmes aptitudes par contre. Le loup qu'on a, il a un petit peu de force, pas mal de vitesse, un peu de discrétion. Et il prévient quand il y a des ennemis autour, il dévoile la map à 350 pieds. Donc ça c'est intéressant quand on fait de l'exploration pour découvrir les objectifs qui sont plus loin. Alors que le lion c'est pas du tout ça son aptitude. Il permet pas de découvrir le terrain mais il est plus puissant, il a plus de vie, il a plus de résistance. On y est, maison de Carouche, donc on a tout ce qu'il faut. Ouais elle coûte rien, elle coûte des peaux de loup, c'est vraiment... On en a à chier toutes les nuits des peaux de loup vu qu'ils ont tendance à nous agresser. Et voilà on fait un petit peu la fête. Donc c'est celui qui a qu'un œil mais c'est le guerrier puissant qui va vous apprendre à faire des fatalities. Enfin des... ça s'appelle des exécutions dans ce jeu. Et voilà, récompense, compétence de guerrier, gourdin à deux mains, les vêtements d'hiver. C'est ce qu'il nous fallait pour aller dans la zone du nord bien sûr. Et 1500 XP, je suis relativement content. Là ça m'explique en gros que plus j'ai des Wenja, plus ma population augmente. Assez logique. Mais par contre il faut que j'ai une certaine population pour augmenter les... comment dire, pour améliorer les maisons du village. Améliorer les maisons permettent d'améliorer les personnages en quelque sorte, ceux qu'on aide qui font partie de la quête principale. Donc, pas de population, pas de quête principale, pas de quête principale, pas de vidéo. Donc, je ferai tout ça en hors caméra et je vais essayer de monter jusqu'à 250 de population. C'est largement assez. Il y a des améliorations jusqu'au niveau 200 je pense. On voit ça ici. Même non, rien, je dis n'importe quoi, jusqu'à 70. Enfin, jusqu'à 60, voilà. Jusqu'à 60 de population, ça augmente les trucs qu'on a. Tout simplement, les sacs de ressources sont plus pleins, etc. Mais au-delà de ça, c'est juste un bonus d'XP tous les 10 membres de la tribu, donc c'est pas un truc de ouf. Sachant que je vais pas farmer l'XP, je cherche pas à être niveau max, donc je m'en fiche un petit peu. Du coup, qu'est-ce qu'on a débloqué? On a débloqué l'amélioration des gourdins à deux mains et les vêtements d'hiver. Ça, il nous les faudra. Donc voilà, on a les vêtements d'hiver. Ça, c'est cool. On les améliorera quand on peut, mais il faut des peaux d'Iac rares, donc ça va pas être tout de suite. Le gourdin, on a ce qu'il faut pour améliorer, on va améliorer, même si je m'en sers très très peu du gourdin à deux mains. Les changements d'armes, je connais. Hop, 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 ça veut dire que maintenant je peux changer. Voilà, en plus de laisser appuyer A avec la roulette de ma souris quand je choisis un truc, je peux changer. Donc là, j'ai le gourdin simple, le gourdin châtis sanglant, celui qui est en ossement. Et maintenant, j'ai le gros gourdin à deux mains des Udam. Il est plus lent, mais il fait beaucoup plus de dégâts. Par contre, le lancer, c'est pas ouf. Et moi, comme vous le savez, mon arme de prédilection, c'est la sagaie. D'ailleurs, j'ai hâte de débloquer plus d'emplacements de sagaie parce que deux, clairement, en combat ou quand je prends des fortins, c'est vraiment la loose, tout simplement. Deux, je suis obligé de courir comme un trisomique sur les cadavres pour essayer de récupérer vite fait les trucs. Je suis obligé de courir sur les cadavres comme un mongol pour récupérer des trucs. J'ai l'air relativement stupide en plein fight à faire ça. Donc, est-ce que lui m'a débloqué une nouvelle quête? J'ai pas pensé à regarder. Salut poteau. Ils ont un peu quand même des têtes de singe. C'est pas très. Ils ont des sales. Lui ça va. Mais lui là-haut, regardez. Oh! T'es parti où? Viens là, viens là, viens là, viens là. Viens montrer aux gens. Regardez. Sérieusement, il a un peu le. Ouais, il a une tête de singe. De Néandertal. Carouche, maintenant que j'ai fait une jolie maison, t'as quoi de bon? Trop de mammouths meurent au nord, tués par Udam. Je me fais magnifiquement leur accent. Monte mammouth frère, détruis arbre d'os Udam et protège la bête. Je passe mon temps à commander des mammouths, à protéger des mammouths, à tuer des mammouths. C'est Mammouth Simulator. Donc, la mission a été ajoutée au menu. Bego alors. Go, je suis chaud. C'est où? Ah, évidemment, c'est dans le nord. On va pas aller faire ça tout de suite. Elle, ça serait cool de la débloquer, la chasseresse. C'est elle qui va me donner les premières missions pour les bêtes légendaires, à savoir la première, si je ne m'abuse, c'est le... Non, c'est pas le loup. C'est le smilodon. Donc c'est le smilodon qui vous défonce au début du jeu, je suis avec la gueule en sang. C'est celui-là le premier qu'on aura de légendaire. Et après, on aura en même temps de débloquer pour le grizzly, mon
monstrueux, le grand ours. Et pour le loup rouge-neige, qui est un loup blanc mais couvert de sang également, bien bourrin. Il y en aura plusieurs à tuer et un seul à capturer, si je me souviens bien. Donc, je disais, nous allons aller en direction de la chasseresse. Je sais plus son nom à elle, Jaima la chasseresse. Donc on va faire un TP, oui, depuis la dernière vidéo j'ai récupéré pas mal d'avant-postes, vous voyez tout ici. Ça c'est pas intéressant de les faire en caméra tout simplement. C'est juste des avant-postes que je prends pour avoir des TP rapides. Des TP rapides, TP rapides, le mec, TP rapide, oui. Pour avoir des TP tout simplement. Donc on va aller ici. Pouh. Donc nous y voilà. On est plus très très loin, on va mettre la quête en suivi histoire de... Voilà. Dans cette direction. Salut, on va t'appeler Nala. J'espère que tu fais pas de l'inceste comme dans ton dessin animé. Il y a de l'inceste dans le Roi Lion. Ceux qui sont pas d'accord, bah je vous emmerde tout simplement. Pourquoi il y a de l'inceste, me direz-vous? Tiens, dans ta tête. Parce que, alors, c'est très simple. Ça s'explique très simplement que je dise ça. Alors je vais aider mes potos, je vais essayer de rester concentré pour pas qu'ils meurent tous. Donc regardez le lancer du grenade de main. Ouais, c'est vraiment bon là ça a marché, mais généralement ça marche pas trop. Il en reste un, il en reste un. Nala, défonce-le! Désolé, Nala. Voilà, il en reste encore un en haut. Viens ici, toi. Petite pute. Donc, je disais, dans le Roi Lion, Simba est entre guillemets chassé par Scar, il s'en va. Enfin, c'est lui qui veut partir, mais ça revient plus ou moins même, vu que c'est la faute de Scar s'il veut s'en aller, il s'en veut. Bref, on va pas vous faire tout le speech et toute l'histoire, vous la connaissez. Donc, Simba s'en va. Nala finit par le retrouver et ils flirtent, etc. Et ils finissent ensemble, on le sait très très bien. Cependant, le chef de meute, l'alpha, c'était le père de Simba. Et dans une meute de lions, il y a un seul alpha. Donc même à supposer qu'il y ait eu des écarts et que ça soit Scar, le père de Nala, c'est sa cousine au mieux. Et sinon, c'est sa demi-sœur, tout simplement. Même si on sait que sa maman n'est pas la même maman que Simba. Même si on sait très bien qu'ils n'ont pas la même maman, ils ont le même père. Ou alors c'est l'oncle de Simba, son père. Dans tous les cas, c'est de l'inceste, c'est dégueulasse. Merci, merci. Dans l'animal handicapé de la semaine, nous avons la chèvre. La chèvre brouteuse de pierre. Ah, elle s'est libérée finalement. Va, petite chèvre, va, je te mangerai plus tard. D'où tu me tires dessus, d'où? Non, je suis un écureuil. Et toi, t'es vieille et folle. J'ai pas peur de toi. Bon, elle m'a attribué une mission de chasse. On va devoir trouver un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Bon, vision du chasseur. C'est par où? C'est par là. C'est parti. C'est un peu cheaté à crever cette vision du chasseur. On voit tout. Je peux voir où l'ours est passé, ce qu'il a mangé, si c'est un ours végétarien, s'il préfère le miel et les abeilles. Tout. Oh! Ça c'est une saloperie, mais il me faut des pots de ça pour je sais plus quel bâtiment. Du coup je suis désolé. Espèce de blaireau. Il me faut des pots de blaireau pour la maison de moi tout simplement. Parce que j'aime beaucoup avoir des motifs zébrés sur les murs de ma chambre. Oh, il est passé par ici. Il a mangé du miel et voilà, on a notre réponse. Ours à faim. Ours défoncé arbre. Allez allez allez. Cours petite perruche. Bâtard d'ours, il m'a surpris. Oh! Je suis en PLS, je suis en PLS. Wouah! Oh putain! Merci, Croblanc. T'es même pas blessé? Wouah, merci, Croblanc. Là, je fais pour moi. Je lui ai mis une sagaie enflammée, une sagaie normale. Des coups de massue et tout, il rien à foutre. Winnie l'ourson là. Putain! Mais du coup, ouais, l'ours a pisté, c'était juste chiant. Zéro difficulté, le tuer c'était un peu plus hard. Franchement j'ai failli passer. Mais le pister c'était nul. Clairement.
Je vois pas le rapport avec la discrétion, vu que j'étais loin derrière et que je me suis quand même battu avec plein de trucs, j'ai ramassé plein de trucs. Voilà. Je pense qu'ils doivent être là en bas les chasseurs. Pied de mammouth. Putain, mais comment il me parle mal? On le fatigue pour toi, mais oui! Bien sûr, tout seul je l'aurais eu. Et voilà, la chasseresse a rejoint notre village. C'est encore un des personnages principaux en plus. Donc on avance, on a une mission au-dessus, je pense, à débloquer, à lancer. C'est pas une mission principale, donc je pense pas que je la ferai avec vous. Mais je vais la débloquer tant qu'on est ici. Il y a des easy là. On va aller les défoncer. Ouais, c'est des easy là. Tiens! Tiens! Et de deux. Oh, putain, j'ai plus de les compos pour faire. Prends-moi ma sagaie. Merci. Il y en a encore deux. Un ou deux, mais ils se battent avec quelque chose. Pou! 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 Plus résistant que les Udam. Les Udam, un coup de lance dans la tête et généralement ils tombent. Oh, en contrebas, tu l'as pris cher. Je sais pas que ce soit un Smilodon. Smilodon, on a vu dans la caverne, il m'explose. D'ailleurs, je vais prendre mon lion des cavernes au cas où. J'espère que c'est pas un Smilodon parce que si c'est ça, on va prendre cher. Oh putain! C'est un Smilodon, je me casse. Je me casse, je cours à l'objectif. Genre, je ramasse du bois comme ça, le Smilodon il m'oublie. On se met là. Hop hop. Je pense que c'est bon. Allez, je sors des buissons. Des buissons. Salut, t'étais pas mon village toi? T'as la même tête qu'un pote à moi. Dol attaque les camps de pêcheurs. Wenjot tous sont tous dispersés. Deux Wenjot disparus, aide-nous à les trouver. Sérieux, vous êtes en PLS contre des Dol? Les Dol, c'est les petites hyènes de merde. C'est chaud, hein. Vous survivrez jamais. Vous pensez que je peux sauter? Ou ça pue? Allez, je suis joueur. Ça passe, j'ai pas pris de dégâts. On va essayer d'apprivoiser un guépard. Oh, il a pas l'air top, il a pas l'air content. Vas-y, mange. Vas-y. Allez. Putain, je t'ai mis plein de viande, putain. Mange. Allez, 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 allez. Un guépard. Celui-là, vous l'aurez en vidéo, c'était pas prévu, mais... Évidemment, j'ai un lion qui vient en même temps. J'ai un lion qui est venu manger juste à côté, qui va me niquer ma race. Quand il va se rendre compte que je suis pas... Et voilà, il m'a déjà niqué mon guépard. On tente la capture d'une créature noire, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. J'attends qu'elle ait fini celui-là et qu'elle en entame un autre. Parce que... Wow, 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 viens pas sur moi, viens pas sur moi, je t'ai mis à manger. Allez, allez, vas-y. Vas-y, je veux pas te tuer. Ouah, c'est chaud. J'arrive pas à m'en approcher. Ouais, je crois que c'est bon, on l'a. On va la oui voir. Jaguar noir rare apprivoisé, ça c'est bon, encore une en moins. Encore une en moins à devoir. Oh, on va lui faire une petite caresse. T'es une saloperie, hein, t'es une saloperie. Avec les yeux verts et le pelage de tout noir comme ça, on lui fait penser un peu au dragon du dragon. Le truc d'animation dragon. Ou monteur de dragon. Non, ça va être juste dragon. Un truc d'animation où il chevauche un dragon. Et où il y a plein d'autres dragons, etc. Où les hommes, enfin les vikings sont en guerre avec les dragons depuis trop longtemps et que finalement lui il veut être pote. Vous voyez, tu vois bien. Et bah c'est ça. C'est à ça qui me fait penser. Par contre on va pas le garder parce qu'il a pas vraiment d'utilité. De ouf je pense. Attaque les cibres non alertées sans alerter les ennemis. Comme l'autre. Et il a la différence qu'il est résistant au feu. Les rares c'est la seule grosse différence qu'ils aient. C'est qu'ils sont plus résistants au feu. Ce qui est utile hein, je dis pas. Mais là il y a un village en bas, on va le découvrir. Pouh. Et évidemment j'ai pas de sagaie suffisamment pour faire tout. On va descendre parce que sinon ça va être la merde. Bon, c'est bon. Massagué. Je descends et du coup c'est eux qui sont en haut. D'où tu t'attaques à mon guépard toi? Par là.
pas, mais c'est loin. C'est pas dans notre direction, donc on s'en fout. Bon, on est sur le point d'arriver chez un des personnages principaux du jeu aussi, à débloquer pour notre village, un des villageois principaux, on va dire. C'est ici que ça se passe. Ouais, t'es sérieux, tu me pisses. Oh la vache, je suis en train de me faire pisser dessus. Je suis pas un Udam, connard. Il m'a pissé dessus en pensant que j'étais un Udam. Il croit être le dernier Wenja. Sauf que non, je suis là et qu'il y a tous les gens que j'ai aidés. Connard. Putain, quoi. Me voilà en fond d'une grotte couverte de pisse. C'est cool, hein. Je vois pourquoi il vient de miser combat maintenant. Oh, c'est quoi ça? Nouvelle arme? La griffe grappin. Vous avez trouvé un outil étrange mais visiblement utile. Cherchez les icônes grappin pour grimper et vous balancer pour atteindre des hauteurs auparavant inaccessibles. Approchez-vous jusqu'à ce que le message d'utilisation de la griffe grappin apparaisse, puis maintenez E pour vous accrocher. Vous pouvez passer d'un point d'accroche à l'autre sans toucher le sol. Ah, je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé ici. Donc, laissez appuyer E. Descendre, monter. Stylé, stylé, stylé. Donc voilà, en fait, la grotte c'est le truc initiatique pour avoir le drapeau. Elle va être tendue cette grotte, elle va être tendue. Non, 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 descends pas, t'es con quoi, descends pas. Ouais, c'est un petit didacticiel au grappin, c'est stylé. Et du coup, je suis sorti. Yeah, piège est terminé, encore une quête principale de torcher. Et un nouvel objet qui va être relativement utile. Bon, on est retour chez lui pourvu qu'il nous pisse pas dessus cette fois. Je suis là avant toi, trou du cul de merde. Ouais, je pue la pisse, je sais. Eh non, on n'est pas tous morts. Trou du cul. Bon, on va passer, pas envie de me taper une cinématique de 3 heures. Et Sandoros torché, ça c'est cool. Putain, j'ai failli tirer dessus, j'ai cru que c'était une tapette. Là, je suis dans le feu, boulet. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode de Far Cry Primal. Comme d'hab, hors caméra, je vais farmer les camps aux alentours, explorer un petit peu pour avoir des points relais et gagner du temps. Je pense que la prochaine fois, on essaiera d'aller chercher celui-là, qui a l'air balèze. Ça va être notre boss. Non mais il a l'air cool, donc je pense qu'on va aller chercher au prochain épisode tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, de l'avoir partagé, d'avoir commenté, d'avoir laissé un pouce. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Commentaires constructifs, ça permettra de faire avancer la chaîne et la série tout simplement. Merci à tous, à la prochaine. C'était Freaky Frankie.